Good morgen, allez, Iden les Yusra aujourd'hui, les Elohim Nishmat Fortuné, Bat Louisa, ainsi que les Refouat Hanané Abad Gittel Devora et Sarah Bat Nechama Btor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la sécurité éternelle. Nous étions à Sarah Psachim, Parikret, Mishnah Bet, à Omer, la Le Avdo, Tse Ushrot Alayet à Pesach, Shachat Gedi, Yochal, Shachat Tale, Yochal, Shachat Gedi Vetale, Yochal minarishon. Shachach ma'amar lo rabo. Keitzad yase. Ishchot tale ugdi veyomar im gdi. Amar li rabi. Gdi shelo vetale sheli. Im tale amar li rabi. Tale shelo vegdi sheli. Shachach rabo ma'amar lo. Shneem yetsu le bet asrefa upturin minasot pesach sheni. Dans la Torah, elle a donné la Torah va donner la possibilité d'offrir deux espèces de Korban Pessah, soit Seksavim, soit Seizim. Seksavim, de la famille des Kesavim, des Kevasim, un mouton, qui a dans sa première année, ou bien un Seizim, un Ez, une chèvre, dans la famille des chèvres. D'accord? Deux options. Maintenant, chacun a son goût, a son originalité, et il y en a qui préfèrent de la viande comme ci, ou de la viande comme ça. Du coup, la Mishnah m'enseigne, à Omer Lavdo, celui qui demande à son esclave, il dit à son esclave, c'est où Shrot Alay et à Pessah. Va faire pour moi la shrita du Korban Pessah. Il ne lui a pas précisé est-ce qu'il voulait de la viande d'agneau ou est-ce qu'il voulait de la viande de chèvre. Et du coup, l'esclave, le serviteur, il est parti chez le vendeur habituel, il a pris un des deux, un seul, et soit un agneau, soit un mouton, de la famille mouton, il l'a pris et il l'a amené à. Soit la famille de mouton, soit la famille de chèvre. Il a pris la menu Beth Amigdash en guise de korban. Donc la Mishnah m'enseigne justement que ça marche, il n'y a aucun problème. Shachat Gdi Yochal. Si elle a fait la shrita à un Gdi, à un petit chevreau, eh bien, Yochal, le propriétaire, pourra le manger. Il s'est acquitté de sa mitzvah. Et donc ça, un korban kasher, korban pesar kasher. Et Shachat Tale, Gamken Yochal. Et aussi, si elle a fait la shrita à un Tale, à la famille des moutons, eh bien, un Yochal aussi, il pourra aussi consommer. Soit la Mishnah Vartanor est précise, la Gemara explique mieux, qu'on parle même du cas où tous les ans, moi, en général, je mange toujours que de la viande du petit chevreau. J'aime cette viande et j'aime pas tellement le mouton. Et le sait bien l'esclave. Maintenant, c'est vrai que je l'ai nommé sans lui préciser ce que je voulais. Alors peut-être qu'on a pu croire que l'esclave, maintenant, il a changé de. Il a plus fait ce que je lui ai demandé. Comme ça, on aurait pu en dire à comprendre. Parce que c'est. Il devait déduire naturellement que je voulais de la viande de chèvre et pas de la viande de mouton. Et du coup, la Mishnah m'a dit non. Puisque quand je l'ai nommé, je ne l'ai pas précisé. Donc je lui ai donné la possibilité de décider pour moi. Ok? Maintenant, toujours dans la même situation où le propriétaire n'a pas précisé. Et l'esclave, lui, lorsqu'il est parti maintenant, il ne savait pas quoi faire. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a pris les deux. Shachat Gdi est allé. Il a pris un petit chevreau et un petit agneau. D'accord? Alors, la Mishnah me dit, ben, Yochal Minarishon, le propriétaire pourra manger du premier duquel on a fait la Shrita. Soit, puisqu'en fait, il avait réellement les deux options, soit, il avait le feu vert, en fait, pour décider est-ce qu'il allait prendre un mouton, la famille des moutons ou de la famille des chèvres, et bien, le premier qu'il a fait, ça marche. Comme ça, c'est rapporté dans la Mishnah, mais la Gemara explique que c'est pas possible à dire, parce qu'il y a un autre problème. C'est que là, si tu me dis que Shachat Gdi Vetale, et il a pris un talé et un gdi en même temps. Ça signifie qu'en fait, il a saisi les deux en guise de Korban Pessah pour le propriétaire. Il y a une halakha qui dit que tu te désignes sur un Korban et pas sur deux Korban. Or là, l'esclave, malgré lui, il a désigné son maître sur les deux Korban. Si c'est ça le pshat, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun des deux qui marche. Les deux sont invalidés. Il n'a pas été nommé comme il fallait sur le Korban Pessah. Du coup, la Mishnah, elle explique qu'on parle d'un cas où. Où réellement, il faut expliquer qu'en fait, qu'on parle d'un cas, Bemelech Vemalka, c'est un roi que réellement, il n'a aucun intérêt à plus l'un que l'autre, et dans ce cas-là, lorsqu'il donne la possibilité à l'esclave de le nommer pour le Corban, alors, il lui donne plein pouvoir pour le premier qui fera, en réalité. Et donc, du coup, le premier que l'esclave aura désigné, ce sera lui, et pas le deuxième. D'accord? On continue. Shachach ma'amar lo rabo. Maintenant, on parle d'un cas où le maître lui avait dit, lui avait précisé, ce sera quoi?
soit un petit agneau, soit un petit chevreau. Mais l'esclave, il était dans la lune, il a oublié. Shachach ma'amar lo rabo, il a oublié ce que le maître lui avait dit. Est-ce que ça allait être l'un ou l'autre? Ketsadia, c'est comment pourra-t-il procéder pour résoudre le problème? Alors on va d'abord traduire pour expliquer exactement le cas de figure. Ishrot gtale vegdi, il le fera, il prendra deux animaux, il va leur faire la shrita, à un agneau et à un chevreau, en disant Veyomar, et il dira Im gdi amar li rabi, si toutefois mon maître voulait que j'apporte un gdi ça veut dire le petit chevreau, alors gdi shelo vetale sheli. Alors dans ce cas-là, je fais la condition que le gdi il est à lui, et puis le talé il est à moi. Et si Veim talé amar li rabi, et si mon maître préfère l'agneau plutôt que le chevreau, eh bien on fait le contraire. Tel est chez l'eau, avec dit chez lui, que lui, que le talé soit fait en son nom, et que le chevreau il soit fait pour moi. Soit situation relativement simple. À résoudre après, il y aura un petit problème technique. Mais l'idée, elle est simple. Le maître, l'envoyé, m'a dit, tu prends un des deux, et j'ai oublié lequel. Ben, je prends deux corbanotes, et je dis, écoute, si le maître, il a décidé que c'est lui, alors celui-là, c'est pour moi, et si le maître, il a décidé qu'il préfère celui-là, eh bien l'autre, il sera le mien. Donc en réalité maintenant, on a gagné que lorsqu'on va faire le Korban Pessah, eh bien, les Korban Pessah, ils sont bien définis. Qu'est-ce qui est pour lui et qu'est-ce qui est pour moi? C'est bien défini. Nous, on ne sait pas ce qui a été dit, on a oublié. Mais on le saura bientôt exactement. Il y en a un à lui, un à moi, et là, il n'y a aucun problème. Il y a par contre un problème technique, c'est que là, on parle d'un esclave et un esclave qui va avoir un Korban Pessah, il va dire, c'est à lui, c'est à moi, c'est à moi, c'est à lui. L'esclave, il n'a rien. Il n'a pas de possibilité d'avoir aucun bien, lui, rien du tout, ça n'existe pas qu'un esclave ait quelque chose qui lui appartienne, parce que Maché Kanaeved, Kanarabo, tout ce que l'esclave a, ce qu'il détient, ça appartient au maître. Donc ça n'existe pas en fait qu'il a décidé de garder le talé pour lui. Le talé, il sera forcément, les deux animaux appartiendront forcément au maître. Et en fait, l'agma, elle explique qu'on parle d'un cas en fait où le roé, le berger, qui lui vend les animaux, en réalité, il va lui donner expressément en disant que je te donne l'autre qui est à toi, à condition que ton propriétaire ne va pas l'acquérir. Et là, dans ce cas-là, c'est la possibilité de... Ça existe de donner quelque chose à un esclave sans donner de droit au propriétaire. Et dans ce cas-là, c'est de ça qu'on parle en réalité, où donc on va réussir par de la sorte à ce que l'esclave il va voir soit le chevreau, soit le mouton, et l'autre il va appartenir à son. On continue, dernier cas de figure. Maintenant, Shachach Rabo Ma'amarlo. Ce qui se passe, c'est que maintenant, le maître lui-même, il a oublié ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire, je l'avais nommé pour qu'il me fasse un chevreau, peut-être. Lui-même, il a eu un doute, mais lui, il a eu le doute, et moi-même aussi, j'ai eu le doute. On a tout oublié, qu'est-ce que j'avais dit. On était parti sur le chevreau, sur le mouton. Maintenant, lui, il est parti dans le doute, il a dit, bon, je prends les deux, parce que quoi qu'il arrive, le maître saura lequel il préférait. Et après, donc, il a fait les deux, et puis il revient me voir, il me dit, bon, finalement, qu'est-ce que je voulais? Il me pose la question, qu'est-ce que tu voulais? Et je ne sais pas à quoi lui répondre, parce que je ne me souviens plus moi-même. Alors la Mishnah me dit, ben, Shachach Rabo Ma'amarlo, s'il a oublié le propriétaire, ce qu'il lui avait dit, alors, Shneem Yetsu le Bet Asrefa, les deux devront partir se faire brûler. Parce que maintenant, on a un Korban Pessah que je ne peux pas manger, parce que je ne sais pas est-ce que le chevreau est à moi ou l'agneau est à moi. Il y en a un des deux qui est à moi et l'autre qui est à lui. Du coup, dans le doute, je ne peux pas manger un Korban Pessah que je n'ai pas été nommé dessus. Lui non plus, donc du coup on va les laisser, ils vont passer la nuit, se faire invalider, on les brûlera le lendemain. Mais malgré tout, Pturin mila asot Pessah Sheni. Malgré tout, on est dispensé de faire le Pessah Sheni, c'est-à-dire, on se retrouve dans une situation où le Korban qu'on a fait a été un Korban validé devant le ciel. Ouais, du ciel on sait qui est ce qui appartient à qui. Nous on a oublié, mais concrètement on s'acquitte de la sorte, et donc on s'acquitte du devoir d'apporter le Korban Pessah Sheni, même si on n'a pas mangé la viande. Il y a encore un petit problème technique, c'est de nouveau l'histoire de la Brera. Comment ça fonctionne? Que je reprends le cas, c'est-à-dire on avait le cas où le propriétaire lui-même, il a oublié ce qu'il voulait. Alors, ça se passe comme ça. Une seconde, non, justement, il ne faut pas le Barthénoa, il faut le Tosot Tiferet Israël. Bon, il est resté comme ça sur ça. Ah non, c'était le Rebbe qui veillait. Davka Shachar, c'est-à-dire, excusez-moi, je me suis perdu. J'avais rêvé avec eux. Le Bartonard, il prend une conclusion qui n'est pas dans la Gemara. C'est là le problème. Je vous explique.
Y a, on parle d'un cas de figure où en réalité, en un mot, on parle du cas où, au moment où il a fait la shrita du korban qu'il fallait, moi je savais au moins lequel j'allais manger. Je vais expliquer, c'est très simple. On parle du cas où, j'ai nommé, je le dis, Gdi ou Talé, je ne sais plus lequel. Il est parti. Pour le moment, moi je lui dis un, je dis Gdi. Lui, lorsque l'esclave y va, il prend les deux animaux, il sait plus ce que Gdi ou Talé. Il a un doute, il dit, bon, c'est pas grave. Dans le doute, il le fait, soit l'un pour l'un et l'autre pour lui, ou le contraire. Il procède ainsi. Donc du coup, il fait la shrita, il revient me voir. Alors si je me souviens, je me souviens. Si je me souviens pas, je lui dis à moi-même, j'ai oublié, on ne pourra plus les manger. Il faut rajouter sur ça une condition très importante. C'est que malgré tout, maintenant je sais plus ce que je lui ai dit, mais 1 heure et demie ou 2 heures avant, lorsqu'il a fait la shrita, je savais ce que je voulais. Parce que si au moment où il a fait la shrita, je ne savais plus ce que je lui avais demandé, il s'avère que c'est un korban pessar que depuis le début, ni lui ni moi ne pouvons le manger. Au moment où on a fait la shrita, il a été invalidé. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a invalidé. Concrètement, on fait la shrita d'un korban où ni lui ni moi ne pourrons le manger parce qu'on a oublié ce qu'on a demandé. On aurait pu remodifier la donne. Dire, bon, finalement, on sait plus ce qu'on a dit, alors décide que moi je prends le dit et toi le talé. On n'a pas fait ça. Donc, du coup, maintenant, on fait la shrita d'un korban pessar sans qu'on sache est-ce que je vais pouvoir le manger. Donc, concrètement, j'ai l'impossibilité de le manger et lui, l'impossibilité de manger l'autre. Là, dans ce cas-là, on ne se sera pas acquitté du korban pessar, ni lui ni moi. C'est-à-dire, la Mishnah qui me dit que Ptourin mais la seule pessar chéni, on parle que du cas où au moment où il a fait la shrita, je me souvenais. Après, 2 heures après, quand il est revenu me voir, il me dit, bon, ça y est, j'ai fait l'achritage. Et moi, je ne me souviens plus finalement ce que je voulais. D'accord? C'est une précision qui te rapporte dans la gamme, en fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.